petit clap de synchronisation. On en fait deux. C'est parti. Ouh là là, belle cascade, merci. William. Ouais, oui. Bonsoir tout le monde. Tu vas te péter la gueule. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur les belles côtes de la Charente-Maritime avec William. Bonsoir William. Bonsoir, bonsoir. Avec mon petit BMX des familles. Et aujourd'hui les gens, on va visiter la belle presqu'île de Fourassa. La Fourassa. On va jusqu'à la pointe de la presqu'île, mais vraiment à la pointe. Donc il y a quand même un peu de route à faire. Je sais pas si on va arriver vivant jusqu'à la pointe de la presqu'île, mais ça va le faire. Un petit coucher de soleil sur le Fort Boyard là, franchement c'est magnifique. Le Fort Boyard qui est juste en face. Petit cours de géographie à gauche, vous avez l'île Madame, mesdames et messieurs. En face derrière vous avez l'île de Léron. Là-bas il y a l'île d'Aix. Et devant c'est moi. Et devant c'est William. Donc là les gens, on est parti carrément sur la pointe de l'île, tout là-bas. On est parti visiter le Forenetta. Eh ouais, il y en a qui vloguent en moto. Nous on vlogue en vélo. On défie les lois mon vieux. On les met mon gars. Oh putain, faudrait que tu te pètes la gueule pour la vidéo, William. Si. Faudrait que tu te pètes la gueule pour la vidéo mon vieux, on ferait de la vue là. Oh, là il se casse le crâne, ça tourne mal. Il se casse le crâne, ça tourne mal. Ouais, ça va être à gauche, ouais. Là c'est le parcours. On va prendre à gauche les gens. C'est parti. Changement de vélo, mesdames et messieurs. Et oui, je n'ai plus un BMX, j'ai un VTT cette fois-ci. Un vélo tout terrain. Alors les rageux, nous avons les beaux carrelés sur la gauche. C'est ce qui fait le charme de la région. C'est vraiment magnifique. Les petites cabanes de pêcheurs. La belle vue du Fort Boyard, juste en face. Sur la vigie du Père Fouras. Freestyle! Allez, musique épique là-dessus! Ouh là là, ça passe! Où ça passe? Où ça passe? Ça passe! Ça passe! Ça passe! Ça passe! Freestyle là! Ouh! Ouh putain, ça passe! Ça passe, avec un VTT, ça passe! Sur votre gauche, mesdames et messieurs, vous avez un beau petit port de plaisance! Il est plutôt magnifique! Oh! J'ai déraillé! Ah bah tiens, j'ai mon titre de vidéo, mon vieux! Il casse son vélo, ça tourne mal mon vieux. J'ai tout pété, c'est mal barré. Allez, c'est bon, c'est reparti. Impeccable, nickel. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la plus belle architecture de Fourassa. Une des architectures les plus importantes de Fourassa. Après le Père Fouras, bien sûr. Après le Père Fouras, bien sûr. Le Fort Vauban, qui est aussi considéré comme un sémaphore, disons-le. En tout cas, c'est super beau ici. Musique épique. Musique épique. Oula, on va la descendre celle-là, William. Hein? On va la descendre celle-là, elle est raide, je pense. Hein. Elle est raide, je la descends. Allez, ça passe. Ça passe crème. Musique épique. Un petit pouce bleu pour cette descente de la mort. Quand j'aurai 2 millions d'abonnés, on ira au casino. Pour l'instant, on peut pas y aller. YouTube Money. Ça manque de YouTube Money. Cliquez, cliquez. Quand on aura 2 millions d'abonnés, on se fera sponsoriser par le casino de Fourassa. Putain, mon vieux, comment qu'elle est longue cette allée là. Elle a pu finir, je crois bien. Il y a des youtubeurs plus courageux que nous. Oh non, il y en a qui le font à pied. Oh oui. Respect. Respect. C'est bien, ça se pédale bien. Ouais, ouais, regarde, on peut partir en freestyle vers la droite, William. Attention, t'es prêt? Attention, vas-y. Pas de clignotant, j'y vais. Vas-y. Oh putain. Oh putain, il y a la mariée, c'est pas un choix. Ouh, c'est pas là qu'il faut aller. Vive la mariée. Vive les mariés. Il y a un mariage. Séance photo chez les mariés. Freestyle à droite. Freestyle à droite. On peut partir en freestyle à droite. Ça passe,
Oh putain, ça passe. Il y a un fossé là-bas, ouais. Putain, puis j'arrive à fondre dedans, mon vieux, moi. Je sais pas, c'est peut-être un concert ou un cirque. Le grand cirque de Fraza. Pépi, pépita. J'ai changé de vitesse, William. Je suis passé sur la grande. On les sent, les mollets de cyclistes. Ils en ont vu cet été. Oh oui, ils ont pas fini d'en voir. C'est quoi ça à gauche? Fourasse les bains. Nous c'est à gauche. On passe à droite, vas-y. En tout cas, j'espère que vous appréciez les paysages avec nous. Parce que c'est franchement super joli dans le coin. Et j'espère aussi que vous nous entendez bien. Parce qu'il y a quand même beaucoup de vent. Elle est en train de remonter la marée là. Ouais, je pense qu'elle est en train de remonter. Tiens, je sais pas si vous la voyez d'ici, la marée Madeleine en bas là. Elle est juste en bas là. Elle picore. Elle se met bien. Elle se goinfle le bec de friandise. Ouais, ouais, c'est joli là-bas, les falaises et tout là. Derrière le tracteur. Allons-y. Allons-y. Traversons. C'est, ouais, c'est à droite, William là. Franchement, il est agréable le circuit quand même. Ouais, 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 carrément, ouais. Il est bien le circuit. Mais tu sais qu'il y a le vélo d'Issé. Alors, c'est faire un petit peu le tour de quelque chose en vélo, non, c'est ça? En fait, si tu veux, c'est il y a plus de 1000 km. Il y a plus de 1000 km de pistes cyclables à parcourir. Bah oui, d'accord. En partant, je crois que c'est en partant de la Bretagne jusqu'au sud de la France, je sais plus, un truc comme ça. Je pense qu'on peut prendre la gauche là, à mon avis. Ouais, ça a l'air d'être là. On est presque arrivé sur la pointe de la presqu'île, mesdames et messieurs. Donc Fouras, on va situer Fouras quand même, qui se situe entre quatre îles. Oui, quatre, mesdames et mesdames. Entre l'île de Ré, l'île d'Oléron, l'île d'Aix et l'île Madame. Une petite presqu'île vraiment fort sympatoche, où il fait bon vivre. Toujours. Toujours, il fait bon vivre à Fouras. Il fait chaud, il fait beau dans le Père Fouracho. Je crois que là, on peut peut-être aller jusqu'au Forêt-Net, mais je suis pas sûr. Hein. Ça sent la marée basse ici, mon vieux. Parce qu'en fait, on précise que le Forêt-Net, on peut y accéder uniquement à marée basse. En fait, à marée haute, le fort, il est entouré d'eau, quoi. Mais à marée basse, il y a un petit chemin qui se dessine. Restaurant, l'océan, Fouras les bains. Oh là là, regarde tout le monde qui sort de la perrotte, William. Regarde ça, comment que ça fourmille là-bas. Mais t'as vu, mon vieux, t'as vu le monde? La croisière s'amuse. La croisière s'amuse. Je te jure, il y a trop de monde. Ah ouais, putain, on peut pas y aller en fait au Forêt-Net là. Non, on peut pas. La marée, elle a commencé à remonter. Ouais, on va continuer à la nage, c'est pas grave. Alors en face, c'est le Forêt-Net. Et juste à gauche, c'est le Fort Boyard. Et en fait, vraiment, quand la marée elle est basse, bah, on peut y aller à pied, en vélo. Y a pas de souci quoi. Mais là, du coup, la marée, elle a commencé à remonter. Et quand la marée elle est haute, bah, l'eau elle arrive jusqu'au rocher quoi. Voilà, au rocher derrière. Donc c'est mort. Normalement, là, on n'a pas pied. Normalement, on n'a pas pied, où est-ce qu'on est? Et c'est pareil pour aller sur l'île Madame, de l'autre côté. À marée haute, c'est même pas la peine d'y aller. Donc là, un petit fort, eh ben, bien sympatoche. Je vais nettoyer les roues un peu. Un petit bras de mer. On va se regarder s'il n'y a pas 2-3 tourteaux. Je le pose là, comme ça. Voilà. On va aller voir si on peut pas trouver 2-3 tourteaux. Des fois, faut s'arrêter pour entendre buller les tourteaux. Ouais. Alors ici, bah, ça se voit d'ailleurs, c'est des parcs à huîtres qu'il y a plus loin là. D'ailleurs, il y a des coquilles d'huîtres partout, vous le voyez. Putain, mon vieux, ce Ninja Warrior quoi. Il y a une épreuve de Koh-Lanta. Une épreuve de Koh-Lanta. Il n'y a rien par là. Il n'y a même pas une bulle, que dalle, mon vieux. Même les tourteaux, ils s'en vont de là. Ils sont tous en train de flotter à l'île de Ré à cette heure-ci, mon vieux. Ou l'île d'Oléron. Parce que vous allez vous baigner à l'île de Ré ou l'île d'Oléron à cette heure. Là-bas, il n'y a pas de marée haute, pas de marée basse. Hein. Elle est bonne toute la saison, mon vieux. Non, parce qu'ici, pour aller se baigner quand c'est marée basse, faut traverser v'là la Vase et v'là les rochers. Vous allez à l'île de Ré ou l'île d'Oléron, c'est que des plages de sable blanc fin et c'est nickel, quoi. Vous pouvez vous baigner à toute heure. Putain, il n'y a rien, William, par là. On va se casser la gueule. On va se casser la gueule. Et regardez, on vient de loin quand même. Nous, on est vraiment tout au bout de l'île, hein, normalement. On vient de là-bas. Hein. Ce fut un très long périple. On n'aura pas trouvé un crabe. Hein. On revient bredouille et puis c'est tout, mon vieux. Ah, pas comme la perrotte. Pas comme la perrotte. Regarde, la perrotte, elle repart pleine, elle. Ah, elle est fière d'en repartir. Elle est fière d'en repartir. Elle fait 10 trajets dans la journée, c'est bon, elle est refaite, la perrotte. La perrotte, c'est ça qu'on appelle la perrotte, les gens. C'est parce qu'en fait, c'est la perrotine. Voilà, la perrotine, ça s'appelle comme ça. Franchement, s'il cherche un chauffeur pour la perrotte. Ah bah moi, j'y vais. Avec YouTube.
j'arrête YouTube, je fais chauffeur de perrotte. Oh, j'arrêterai pas YouTube, je ferai des vlogs au volant de la perrotte. Je ferai des gameplays de Roblox dans la cabine du capitaine. Oh, regarde là celle-là. Hein? Elle vole, hein? À contre-vent, hein? Elle y va, elle y va. Elle, tu peux y aller qu'elle va le trouver, le tourteau, mon vieux, t'inquiète pas. Elle va le trouver plus vite que toi. Et elle sait où il est. Et elle l'a bouffé. Et elle l'a bouffé. Elle, elle sait où il est, le tourteau, mon vieux. Tu peux y aller, t'inquiète. Elle a le flair. Regarde les petits mouettons, il y en a partout là. T'as vu? Allez, c'est reparti. Retour au point de départ. Eh ben, on a de la route, William. On vous épargnera peut-être le trajet du retour. En tout cas, si vous avez kiffé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et nous, on se revoit bientôt. Voilà.